Il y avait eu quelques espoirs lors du dernier match contre la Gambie, et puis malheureusement, ces espoirs ont disparu parce que malheureusement, il faut reconnaître qu'on a vu une équipe du Cameroun qui était complètement inoffensive, des Nigériens qui ont systématiquement pris le dessus, aussi bien physiquement que techniquement. Donc, à partir de là, il y a quand même un constat d'échec évident. Je pense que tactiquement, il y avait des choses à rectifier. J'ai pas tout à fait compris la présence de Gonzalez, c'est ça, en défense centrale. En plus, le pauvre, il a fait une énorme bêtise qui a coûté le but, alors qu'il n'avait pas du tout joué depuis le début de la CAN. Donc mais je ne suis pas dans les petits papiers de ce qui se passe au niveau de la sélection. Il y a peut-être eu un blessé, il y a peut-être ça. Bon, ça je l'ai pas trop bien compris. J'ai pas non plus très bien compris l'absence du petit Château qui avait fait un très bon match lors du troisième match. Et ce que je peux reprocher à cette équipe du Cameroun sur ce match-là, c'est que elle était beaucoup trop prévisible. C'est-à-dire que il suffit, puisque maintenant on a des possibilités de vidéo et de regarder les matchs, il suffit de regarder des vidéos pour voir que l'équipe du Cameroun, si on bloquait le côté gauche de Nkoudou, il n'y avait plus rien. Et c'est ce qu'a fait le Nigeria. Systématiquement, si vous regardez, quand Nkoudou avait la balle, il y avait un ou deux joueurs qui venaient le presser, donc il ne pouvait pas faire son petit crochet et faire ses centres du droit enveloppés pour essayer de trouver le deuxième poteau. Ça, c'est une chose que j'ai eu du mal à comprendre. La deuxième chose, c'est que on a mis Toko Ekambi en position d'ailier droit, pratiquement. Ça veut dire que Toko Ekambi, on le sait très bien que c'est pas un ailier de débordement, c'est un garçon qui joue plus dans l'axe il bloquait systématiquement le couloir pour un débordement éventuel du côté droit. Donc il y a des choses que je n'ai pas compris tactiquement. Voilà. Il y a des choses que je ne connais pas, donc je ne veux pas parler et ce que je veux faire, c'est des critiques constructives. Certes, c'est facile de dire oui, Rigaud n'est pas à la hauteur. Non, ça, ne n'attendez pas ça de moi, je ne le dirai pas. Mais je ne connais pas exactement la charge de travail qui est donnée à Rigaud et la charge de travail qui est donnée à son adjoint. Rigaud se nomme systématiquement sélectionneur de l'équipe nationale, mais à aucun moment on voit qu'il y a il intervient sur tout ce qui est côté travail sur le terrain, alors que le travail sur le terrain, c'est 80% de la performance de votre équipe. Mais justement, quand vous voulez travailler tactiquement, c'est sous forme d'entraînement. Et que vous préparez vos joueurs à répondre éventuellement à un système de jeu adverse ou éventuellement mettre des schémas tactiques qui vont vous permettre de déstabiliser l'équipe adverse. Et ça, je l'ai pas vu. Donc, mais ça, je ne peux pas en parler à partir du moment où je suis pas au Cameroun, je suis pas dans la sélection, je vois pas comment ça se passe, je vois pas quel est le travail de l'entraîneur adjoint et je vois pas ce qu'on lui demande et ce qui lui est demandé par Rigaud ou par quelqu'un d'autre. Je suis inquiet. Je suis franchement inquiet parce que je trouve que actuellement il y a un déficit de joueurs de très haut niveau au niveau de cette équipe nationale. Avant la CAN, je vous avais déjà dit que très peu de joueurs évoluaient dans des clubs de très haut niveau. Et je faisais toujours par rapport à ma fameuse équipe de l'époque en 2000, c'était Arsenal, c'était Liverpool, c'était Real de Madrid, c'était etc. Bon, là, dites-moi, les joueurs qui évoluent vraiment au très haut niveau, il y en avait peut-être un, c'était Choupo-Moting, qui est encore à peu près titulaire au Bayern de Munich, et bon, il n'était pas là. Bon, je ferme la parenthèse. Mais pour les autres joueurs,
l'Arabie Saoudite, jusqu'à preuve du contraire, j'ai été entraîneur pendant quelques temps en Arabie Saoudite. Le niveau du football de l'Arabie Saoudite n'est pas exceptionnel. Ça veut dire que vous avez des joueurs qui sont défenseurs en Arabie Saoudite, mais qui se mènent une vie relativement tranquille parce que le niveau de jeu n'est pas extraordinaire. Pareil pour Toko Ekambi, qui joue aussi en Arabie Saoudite maintenant. Il est titulaire sûr. Ça veut dire qu'il est peut-être pas motivé pour travailler toute la semaine et pour être titulaire dans son équipe, ce qu'il devait faire à Lyon, par exemple. Donc, ce sont des joueurs qui arrivent et qui n'ont peut-être pas leur degré de forme maximal. Déjà, c'est un coup de fil qui me ferait plaisir parce que ça fait bien longtemps que je n'ai plus eu Samuel. Mais je lui dirais que le rencontrer me ferait beaucoup plaisir, ne serait-ce que pour lui donner des idées, parce que certes il en a, mais maintenant je pense que le football camerounais est arrivé à un moment où il faut, comme on dit, reconstruire. On parle beaucoup de reconstruire, reconstruire. Mais reconstruire sur une équipe qui est, jusqu'à preuve du contraire, décevante, c'est compliqué. Moi, je lui dirais, Samuel, essaye de travailler un maximum avec les jeunes, parce qu'il y a quand même quelque chose de surprenant aussi, c'est que les jeunes n'ont pas non plus des résultats exceptionnels. J'ai vu que les moins de 17 ans s'étaient fait sortir en qualification, les moins de 20, les A-primes, il y a eu beaucoup quand même de résultats négatifs. Ça veut dire qu'il y a un travail qui n'est pas fait parce que je reste persuadé que des pépites, il y en a des centaines au Cameroun. Ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus. Et il faut mettre en place des sélections provinciales. Je vais vous dire, j'ai retrouvé, je vais vous le montrer, j'ai retrouvé un dossier que j'avais présenté quand on m'avait nommé directeur technique national. Vous savez qu'il y a eu une époque où on m'avait enlevé le poste d'entraîneur et on avait donné le poste d'entraîneur à Jean-Paul Akono. Et moi, on m'avait donné ce poste-là. Pour moi, le rôle de directeur technique national, il était aussi important, si ce n'est plus, que le rôle d'entraîneur. Pourquoi? Parce que c'est celui qui s'occupe de la politique technique du football. Et Dieu sait si je m'en suis occupé, parce qu'avant de venir au Cameroun, j'avais ce rôle-là au niveau de la Fédération française de football. Ça veut dire mettre en place des détections dans toutes les provinces qui se transforment ensuite après par des sélections, qui se transforment après par la possibilité de ressortir l'élite des jeunes footballeurs de 15, 17, 20 ans. Et encore mieux, ça permet aussi peut-être de leur faire travailler un système tactique dès l'âge de 15 ans, 17 ans, qui pourrait être le même au niveau des 17, au niveau des 19, au niveau des 20, et ça veut dire qu'il y aurait vraiment le système tactique spécifique à l'équipe, aux équipes camerounaises. Et ça serait magique. Mais bon, ça c'est un rêve. C'est un rêve qui a été fait par Johan Cruyff à Barcelone. Il a mis le système de jeu de Barcelone un jour dans toutes les équipes de jeunes et ça a donné une grande équipe de Barcelone. Et ça, peut-être que c'est le moment de le faire parce que le Cameroun est arrivé à un moment où il est en grosse difficulté. Et faire passer le message en disant, OK, on se met au travail, on n'a pas la possibilité d'aller chercher dans les équipes actuelles une équipe performante, ben, on va faire ce qu'il faut pour se servir des qualités des jeunes joueurs camerounais et en devenir.